On va essayer si le robot peut nous aider là, parce qu'il peut faire les trois fonctions. Il peut mesurer la température, il voit si le masque est bien, et il peut contrôler la code QR que le patient reçoit quand il a rempli le questionnaire. Si le patient ou le visiteur a une température ou un masque qui n'est pas correct, l'écran va dire, va montrer, vous avez un problème, vous ne pouvez pas rentrer à l'hôpital comme ça. Parlez à notre employé qui est tout près. Donc le robot ne va jamais être tout seul, c'est toujours en soutien d'un employé qui travaille là.